par là et quand on rentre dans le marché, on y va. Allez, bon courage. On y va, c'est parti. Salut. Aujourd'hui, réservez votre bien-être et votre avenir. Un SMIG à 1400 euros. Garantir l'emploi. Passer aux 32 heures. Abroger la réforme de l'assurance chômage. 1063 euros pour vos étudiants dans le professionnel aussi. Revenir sur les privatisations. Passer à la 6e République. Ne retombons pas dans les gouffres du capitalisme sauvage. Choisissons l'humanité. Votez l'Union populaire. Mettre en place un plan de séparation de l'argent et de l'État. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Garantir la liberté de conscience et l'application stricte de la laïcité. Adopter une loi contre le contrôle des médias par des milliardaires. Assurer un meilleur accès à toutes et tous à la justice. Confier au Parlement l'orientation de la politique pénale. Élaborer une nouvelle stratégie antiterroriste, légalisée et encadrée par un monopole d'État, la consommation, la production et la vente. Réorganiser la carte des régions par bassin versant. Faire des outre-mer des territoires pilotes de la planification écologique et des circuits courts. Défendre et reconstruire le maillage de transports en commun et de services publics. Créer un pôle public des transports et de la mobilité. Planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable avec un double mot d'ordre, sobriété et efficacité énergétique. Abolir l'obsolescence programmée. Créer un ministère de la production alimentaire. Aider les victimes des pollutions et les lanceurs d'alerte. Consacrer une règle bleue qui applique le principe de la règle verte. Garantir l'accès à l'eau courante potable à tous les habitants d'outre-mer. Interdire les coupes rases. Interdire les fermes-usines. Interdire les dépôts de brevets sur les organismes vivants. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Adopter un plan d'adaptation aux pandémies non liberticides. Reconstruire le service public hospitalier et instaurer le 100% sécu. Engager un plan pluriannuel d'investissement et de développement des services publics dans les outre-mer. Appliquer les 35 heures hebdomadaires. Établir la garantie d'emploi. Porter le SMIG à 1400 euros net. Instaurer un quota maximum de 10% de contrats précaires dans les PME. 5% dans les entreprises. Abroger la réforme Macron de l'assurance chômage et indemniser les chômeurs dès le premier jour. Garantie d'autonomie, zéro SDF, 100% sécu, sécurité alimentaire. Revenir sur les privatisations, établir de nouveaux indicateurs de progrès humain. Adopter une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et y allouer 1 milliard de budget. Constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain et le droit fondamental de disposer de soi en toutes circonstances. Construire un service public de la dépendance pour aider les seniors à rester à domicile. Assurer l'autonomie financière des personnes en situation de handicap
en revalorisant et en versant l'allocation aux adultes handicapés. Soutenir la création, le spectacle vivant et l'appropriation par tous des œuvres et pratiques culturelles. Améliorer le régime des intermittents du spectacle. Financer les plans généraux de thèmes de recherche sur des secteurs d'avenir. Créer une association sportive dans tous les établissements scolaires du premier degré. Reconstruire l'école de l'égalité et de l'émancipation. Reconstruire l'enseignement professionnel en augmentant le nombre de classes et de lycées professionnels et agricoles publics. Garantir à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix en démantelant Parcoursup. Mettre fin à l'illettrisme. Créer 500 000 places en crèche. Un service citoyen obligatoire. Rémunérer au SMIG pendant 9 mois avec bilan de santé, permis de conduire et formation. Proposer aux États et aux peuples européens la rupture concertée avec le traité actuel. Appliquer dans tous les cas immédiatement notre programme au niveau national en assumant la confrontation avec les institutions européennes. Utiliser cette fois tout le poids de la France pour réaliser notre programme. La France se retirera immédiatement du commandement intégré de l'OTAN avant d'en sortir par étapes. Une loi de programmation militaire pour restaurer notre indépendance et s'adapter au changement climatique. Œuvrer à la création d'une loi d'un droit international de la biodiversité marine. Développer les énergies marines renouvelables. Lutter contre la course à l'armement spatial tout en garantissant la souveraineté de la France. Garantir la neutralité du net. Ça y est. C'est pour les gens qui ne savent pas lire. Mais autrement moi. Moi, j'ai pas été à l'école. Ah bah écoutez, voilà, oui. Ben, je vous ai aidé. À 10 ans, je travaillais déjà. Oui, ben voilà, je vous ai aidé, monsieur. Oui. C'est ça, 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 c'est l'humanité. Ça s'appelle la solidarité. Ah. Eh ben, pile poil à la fin. Bon, alors, ça s'est passé comment? Parce que moi, j'ai pas trop vu, quoi. J'ai pas trop vu comment ça s'est passé.